C'est bon les gars, je sais c'est quoi le One Piece. Croyez-vous mon bas ? Je le sais. Le One Piece les gars, c'est pas un trésor, c'est pas de l'argent, c'est pas un bijou, c'est pas un bateau, c'est pas quelqu'un, pas une personne, c'est rien du tout tout ça. Après des années d'analyse, de recherche et d'investigation, j'ai pu comprendre que le One Piece, c'est tout simplement, je vous dis ou pas, mais on va comprendre l'histoire déjà. On va commencer par le commencement. Tous les pirates, ils sont en train de chercher un truc qui s'appelle le One Piece. Mais personne ne sait c'est quoi le One Piece. Qui leur a dit que le One Piece existe, ok? Donc quelqu'un arrive, il leur dit ouais le One Piece existe. Qu'est-ce que c'est? Ils savent pas. Ils se demandent ce que c'est tous les jours. Mais une personne sait ce que c'est le One Piece, mais elle le dit pas. C'est Luffy. Luffy, il sait ce qu'est le One Piece, mais lui, il veut pas le dire. Vraiment, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce que ça va bien de son côté. Tout le monde cherche le One Piece. Lui, ça lui va bien que tout le monde le cherche. Logique. Il est quand même gagnant. Ça l'amuse. Ça fait passer le temps. Que le One Piece, il va se débloquer, ok? Un jour. Je sais, mais je peux pas vous le dire encore. C'est un peu vous spoil. D'après des sources sûres, j'ai des informations de ce que c'est. Logique. Et je vais vous dire un truc. Ils peuvent passer toute leur vie à le chercher. Personne va le trouver. Même Luffy va pas le trouver. Parce que le One Piece, ce n'est pas un objet. Le One Piece, les amis, ce n'est pas de l'or. Je vais vous le dire tout de suite. Préparez-vous. Le One Piece, c'est pas un bateau. Le One Piece, à la fin, il va leur dire que le One Piece, c'est juste la famille, l'amour, les amis, l'aventure. Le One Piece, en fait, c'est toute l'aventure, ok? Il va dire le One Piece, c'est toute l'aventure. Si on veut, on peut décrypter ça. One Piece, une pièce, ça rime avec quoi? Une famille, c'est ça les gars. Ça rime avec une famille, donc unie, fort et unique. Donc à la fin, tous les villages, tous les pirates, ils vont se réunir pour former un seul village, une seule famille, un seul mot, un seul roi. Et le roi, ça serait Luffy. C'était le roi Sisma, n'hésite pas à vous abonner, à liker et partager avec vos amis. Si vous avez aimé, je vous dis, c'était Sisma, ciao.